c'est plus dédaigé ce genre d'équipe parce que ils ont ces qualités, ils ont des défauts aussi, mais ils ont beaucoup de qualités, celle de vivre ce que l'on vit aussi depuis des années, c'est-à-dire de se donner des objectifs contre des équipes qui sont à leur portée, en tout cas qui croient l'être, et parce qu'on n'est jamais sûr de rien, hein. Même moi, des fois, je dis, on va cibler ce match, mais bon, c'est peut-être pas celui qu'il fallait viser à la sortie, mais on est obligé de se donner des espérances de réussite sur des moments bien précis. Et je pense qu'on en fait partie pour eux, dans leur tableau de chasse, d'une équipe qui est capable, voilà, de venir accrocher quelque chose ici, de venir, pourquoi pas, jouer le maintien ici, et pourquoi pas, voilà, se redonner un bol d'air avant cette fin de saison. Donc, voilà, ces qualités qu'ils ont, on en est conscient, c'est des qualités qui peuvent nous faire défaut, quoi, ça c'est sûr. Mais comme ils ont fait quasiment partout là où ils se sont déplacés. Oui, bien sûr, on a le fait d'avoir gagné d'enchaîner les victoires à domicile contre Rouen et Montauban, ça nous a mis en confiance et ça nous a aussi dégagé un peu du bas du classement. Donc forcément, on est un peu plus libéré, on joue ça enfin, avec moins de pression. Et puis au fur et à mesure des matchs, les automatismes sont là. Et voilà, donc le fait que l'équipe change plus trop en ce moment, c'est aussi bien parce que voilà, on commence à avoir nos habitudes et donc c'est positif pour le reste de la saison.